Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Skyrim, un épisode tout particulier parce que c'est l'épisode 50, déjà. Déjà 50, ça n'est déjà 50 épisodes qu'on se fait chier dans ce monde à la con. Non, je te rigole, non, qu'on s'amuse bien, dans ce monde rigolo et rempli de joie. Et voilà, on fait plein de choses bien rigolotes tous les jours, à chaque fois. Donc j'avais pour projet d'aller voler un peu tout ça là, comme un sale chenapan que je suis. Parce que là, il y avait des trucs plutôt intéressants. On va enlever ça, peut-être. Est-ce que là, je suis remarqué? Est-ce que quelqu'un me remarque? S'il vous plaît. Non, on dirait pas. Pot orc. C'était quoi qui est intéressant? À l'armure orc. Inventaire. Alors, c'était quoi qui était intéressant? En armure. Armure de blade 98, armure orc qui me fait gagner un de plus. 42. Les gants, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de gants en fait. Il y avait tout sauf les gants. C'est ça, hein. Je mets la lumière. Et même une hache, une battle axe. Les bottes orc, ouais. Ouais. Bof. Je vais pas le voler, va, pour un point, pour 2 points d'armure au niveau de. Et un peu plus de casque, mais le casque. Celui-là est quand même pas mal stylé. Hein. Ça fait bien. Bien viking, même si je ne suis pas un viking. Enfin, si mon personnage n'est pas un viking. J'ai cru qu'il y avait un puits. En fait, non, y a rien. On va sortir de ce trou quand même. Voilà. Et on va continuer notre périple en espérant. J'attendrai ici même que vous me Vas-y, vas-y, rapportiez ces attends. éléments. Donc on va attendre, on va continuer notre périple. Non, on va pas attendre. Hein. Pour essayer de... Enfin, hein, il serait temps de tuer ce dragon. Pareil qu'il n'est même pas une quête principale. Hein, parce qu'on s'en fout totalement de la quête principale. Je tape. Je suis là pour faire le fifou. C'est quoi les chemins? Fayez, Felgen, pousse-toi, toi, tu me gênes. Là, il y a un château. Château en ruine. Qu'est-ce que c'était que ce bruit-là? Si je fais ça, j'ai mon épée qui est bien là. Si je refais ça, elle a disparu. Qu'est-ce qui fait des bruits là? Crac comme ça là. C'est intriguant, on dirait un crabe. Ah ben là j'ai un joli château, dis donc. On va essayer d'aller voir qu'est-ce que c'est ce château. Bon, on s'en fout hein, de ce bruit qui craque, hein, je m'en tape. C'est quoi, il y a un truc aussi là au milieu de cette île. On va essayer d'aller voir ce joli château là. Enfin, qui est bien placé, ma foi, je trouve qu'il est très bien placé. Ah, j'ai cru qu'il y avait une route là. Des racines, non, je m'en fous. Il est là, on va essayer d'y aller. Ah, elle était là, le chemin, il était là. Il était presque caché, donc ça doit être un château abandonné. Alors, donc. On m'a dit qu'il fallait que je les retire des favoris seulement. Pour plus avoir ce problème. Alors, si je fais ça, que je fais ça. Que je fais ça. Admettons. C'est quoi? C'est celui-là, il était en premier. Celui-là, il était en deuxième. Waouh! Ah, vous la voyez pas, vous. Voilà. Est-ce que j'ai mon souffle ardent? Qu'est-ce qu'il fout là, mon cher? Il se balade. Il se balade. Reviens ici, le chien par terre. Je peux même plus lui parler. C'était elle qui craquait alors. Elle avait totalement craqué son slip. C'est quoi ce joli château? Je connais pas, ça me dit rien. Que.
Peut-être que j'ai déjà vu, mais tour clair-obscur. Jamais entendu parler. Il y a des défenses, il va y avoir des méchants là-dedans. Ça, c'est sûr. Moi, je pense, j'espère. Parce que nous, on veut du fight. On va faire un bel épisode 50. Il commence à neiger. Oui, mais oui, ça, j'avais remarqué ça, merci. Il y a des défenses de mammouth. C'est tout, il n'y a même pas d'ennemis là, comme ça, cache direct. C'est quoi ça, tour clair-obscur? Attends, il n'y a pas d'ennemis, rien du tout là. Pas un tout mini-ennemi là. Même pas encore un tout petit plus, non? Bon, bah on va rentrer dans cette tour, hein, même si on n'a pas le droit, on s'en fout. Je sais même pas qu'est-ce qu'il y a là, cette tour à la con. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, en fait, c'est rien. C'est juste une tour à la con. C'est un donjon, je suppose, hein. Sauf qu'il y a des gens qui se battent. Par les dieux, ce n'est pas aussi grave que vous croyez. Laissez-moi vous expliquer. Je ne voulais pas, mais elle m'a attaqué pour m'empêcher de partir. Je ne peux plus rester ici. Les choses que nous faisons, c'est mal, très mal. Qu'est-ce Je que n'en c'est? peux plus. Explique-moi. Nous devions trouver quelqu'un à sacrifier, un humain. Je lui ai dit que je ne pouvais pas m'y résoudre et elle s'en est prise à moi. J'ai fait de terribles choses en vivant ici, mais je n'ai jamais pris la vie d'un innocent. Je ne pouvais pas me résoudre à trouver quelqu'un pour le Ok. sacrifier. Pour l'initiation. Mère va devenir l'une de ces créatures et je ne veux pas être mêlée à ça. Dieu, je ne peux pas me contenter de m'enfuir. Je dois l'arrêter. Je me rends là-bas pour l'arrêter. Ce cycle doit cesser. J'ignore ce qui vous amène ici, mais j'aurai besoin de votre aide si vous êtes Ouais, prêts. on est toujours d'accord pour se battre un Bien, petit peu là. suivez-moi. Nous allons devoir combattre pour aller là-haut. Ça m'étonnerait que d'autres aient eux aussi un cas de conscience. Je pars pas toute seule, hein. Tu me laisses. Mais si, en plus, elle part toute seule. Qu'est-ce qu'elle avait la sorcière? Elle avait que dalle. C'est ça qui est chiant avec les magiciens, ils ont jamais rien sur eux. Ils ont tout dans la tête. Ah, c'est joli chez vous, c'est bien éclairé. Moi aussi, je fais de la magie. Je crie. Et croyez-moi, ça suffit, hein. Des araignées. Bim! Exécution dans les dents. Tiens, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va se mettre un petit peu de poison, disons. Du poison. Du poison. Poison. On va empoisonner notre épée parce qu'on est un sale bâtard. Ils sont où les méchantes sorcières? C'est par là. Toi qui connais le chemin. Vas-y, viens. Tu me montres qui je dois défoncer et je défonce. Tiens, dans ta gueule, la sorcière. Voilà. Pas compris, la sorcière, elle a pas compris. Là, pareil, elle a rien sur elle. Potion de soins, laboratoire d'alchimie. Des champignons, mais j'en ai déjà plein. Parti où? Lucette. T'es parti où, Lucette? Ouais, parti. Eh ben, c'est par là. Ah, t'aurais pu me dire que t'étais monté là. On s'appelle Ilia. Allez, stole le cul là. Je défonce tout là. Ils sont où les méchants? Un troll adulte! Ouf! Dans les dents, le troll! Ah, elle est morte la sorcière? Ah oui. Alors, chair de troll, cœur de troll, on s'en fout du choix de la graisse de troll. Enfin, plein de choses. Et là, toujours rien. Magicien, toujours rien. Shit.
Saloperie de magicien. Me transporte même pas dehors. C'est n'importe quoi. C'est totalement irréaliste. Dans la ville, les magiciens, ils ont de l'or sur eux. C'est sûr que je vois beaucoup de magiciens. Prendre des gants. Non, je m'en fous. C'est pas des bourses d'or ou des... Oh, de la viande. Non, on s'en fout. Poivre grillé, ça c'est bien. Là, c'est fermé. C'est sûrement par là qu'on va revenir. Là, il y a un gros piège là. Lady, tu fais pas la conne, hein. Parce que là. C'est quoi ça? C'est quoi, il y a un truc dessus? Ah, c'est une tête de loup. Oh, c'est rigolo. Bon, allez, on se casse de là. On va suivre notre pote là. Notre soi-disant pote, hein, parce que souvent les gens dans ce jeu, ils vous aiment bien au début, puis après, ils veulent vous tuer. Oh. Ah non, c'est vrai, ça marche pas. C'est pas comme dans... Ah, voilà, ça, c'est un butin intéressant, ça. De l'or. Bien de l'or. Pratique. Nécessite une clé. Merde, pas de clé. Quand j'ai fouillé tout le monde. Il y a une harfreuse devant nous. Préparez-vous, puis tirez le levier, on l'attaquera ensuite. D'accord, je me prépare. Je me prépare, je me prépare. Qu'est-ce que... Il y a Mais une c'est bon, j'ai harfreuse devant compris. nous. Préparez-vous, puis tirez le Oui, levier, on l'attaquera ensuite. j'ai compris. Il n'y a pas là une clé cachée par ici, là. S'en fout, délivre à la con, fouiller les ruines. Quoi fouiller? Ah, oui, d'accord, oui. C'est le livre qui m'a donné la quête. Une épée en bois, c'est rigolo. Ça. Du coup, je vais le prendre ce livre. Même s'il est totalement useless, je m'en fous. Pas une clé. Il y a une harfreuse devant nous. Oui, Préparez-vous. j'ai compris. Oui. J'ai toujours le 3. Puis tirez le levier, on Trois attaquera du ensuite. bouclier, hein. Bon, si vous y voyez pas grand-chose, pardon. J'espère que ça ira avec la lumière à côté. On va essayer de rester dans la lumière. Allez où? Allez où? Merde, si tu vas dans la... Non, non. Mais c'est là où on était tout à l'heure. Pourquoi on n'est pas monté à l'escalier? Tu te fous de nous, toi? Tu voulais tuer tout le monde? Des vengeances personnelles, hein. Putain, quelqu'un pour s'occuper de cette araignée à la con. Ouah, je l'ai buté. Je l'ai pété sa gueule. L'araignée, c'est bon. Qui c'est qui a un problème? Moi, je cours pas vite. Oh putain, elle est en train de... Pourquoi tu la tapes? Va falloir se calmer les enfants là, hein. Bon. Alors je sais pas si c'est un bug. C'est ballot ça. Mais t'es conne ou quoi? Tu l'as buté. On va mettre un peu de lumière parce qu'on n'y voit que dalle. Comment on fait maintenant? Putain, Lydie, t'es chiante, hein. Chambre, mais on verra après. Bon. On va te prendre ta clé, hein. Prendre des potions aussi, hein. C'était quoi la mission ici en fait? Bon. Eh ben tant pis, on va devoir faire la suite de la mission en duo.
J'ai chopé la clé, donc du coup, je dois pouvoir ouvrir la porte qui était en bas là. Merde, c'est ça pour courir. Elle était où cette porte? Elle était vers là-bas. Elle était là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une remise. Une remise de 10%. Non, je déconne. Ça, c'était de la blague de merde. Un chapeau, je m'en fous. Putain, je peux plus courir. Allez, j'ai pris 3 potions, ça y est, je peux plus courir. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Lily? Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop plein? Eh ben, soit on mange. Est-ce qu'on peut manger? Ah, j'ai un gigot de chèvre, mais cru, c'est pas trop top. On va manger ça comme ça, et je transporte encore trop de choses. Ça va pas beaucoup m'aider. Sac de farine, j'ai 35 sacs de farine. Je vais en lâcher quelques-uns. Je vais en lâcher 20. Voilà. De suite, ça, on peut courir. Voilà, le mec qui se balade avec 35 sacs de farine. Oh, je suis pas boulanger, moi, hein. Je m'en fous de la sac de farine. Donc, on va monter là-haut, Lydie, hein. Putain, en plus, c'est un changement de zone. Ça aurait pas pu être, hein, juste avant. J'aurais pu la sauver, la fille. Mais non, mais non, mais non. Mais non, on la sauve pas, la fille, hein. On la laisse crever. De toute façon, je vais pas recommencer, je m'en fous. Tiens! Je veux jouer avec la magie. Dans ta gueule, la magie. Toujours rien. Putain, mais même pas de fric, rien du tout là. Putain, c'est quoi ces gens-là? Vous avez jamais affaire au fisc, vous payez jamais d'impôts, vous avez jamais d'argent sur vous. C'est quoi ça? Une robe de maître? Une robe de maître? Mais ça vaut le coup de ça, non? Comment ça se vend? Une robe de maître. Régénération magique. Oh putain, elle est stylée en plus. Oh là la classe. 150% plus rapide, mais c'est totalement épique ça comme trouvaille. Pourquoi il y a des piques géantes là? Il y a un piège là, non? Il y a un bandit. Il a un bâton de flamme. Il a ça et il a du lait. Je transporte trop de choses. Du fichier, hein, ça se vend bien aussi ça. Une pioche, la garde, c'est toujours utile. La pioche, j'ai toujours ma méga épée de la mort qui ne me sert à rien. Un antidote? Non. Capacité de peau? Non. Qu'est-ce que je peux dire? Est-ce que Lydie, je peux te léguer quelque chose? À tout hasard. Ouais, tu peux pas prendre grand-chose. Je vais te léguer ça. D'accord. Direct, tu peux plus rien prendre. On dit, tu te fous de ma gueule. C'est ça, tu te fous de ma gueule, Lydie. Qu'est-ce qu'on a là qui pèse? On a plein de trucs. Hein. De trucs qui pèsent. On a 38 pommes. Qu'est-ce que je m'en fous des pommes? On va lâcher. Voilà. Des pommes vertes. Enfin, on garder 10 de chaque. Et de suite, boum! Le poids que je perds. Là, j'ai 28 pommes en une seule et 51 pommes en une seule. Ça, c'est la magie du jeu vidéo. En une seule pomme, vous pouvez en avoir 50. Alors, la porte, là, c'est quoi déjà? Porte en bois. De mettre, oula, voici, on va essayer de la faire, hein. Oh, casser le crochet. Déjà, c'est par là. Il est un peu le plus haut. Alors, il va être. Boum! Voilà. Serrure de mettre. Bim bam boum. Qu'est-ce qu'il y a là-haut? Sans le piège. Raté. J'ai raté mon coup. Ouh. Oh, je l'ai eu. Je l'ai eu. Oh, je l'ai coupé la tête. Trop fun.
Elle a transporté encore rien du tout. L'hôtel d'enchantement faisait des trucs pas cool, celle-là. Hein, faisait des trucs pas cool. Une potion de régénération, prendre les potions, sait-on jamais. Le vin, on s'en fout. Une table basse. Qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme table basse? Plus sombre, on s'en fout. Un coffre. Est-il piégé? Il n'est pas piégé. Avec de l'or, voilà. Voilà, ça c'est bien ça. Il y a encore, on peut encore monter. Non, rien du tout. Lady, bouge pas. Tu ne bouges pas. Lady, dégage. Voilà. Tu me l'as pas laissé, Lady, t'es dégueulasse. C'est la dernière fois que je t'emmène avec moi. Ah, c'est là où il y a le piège. On peut encore monter. Qu'est-ce qu'il y avait là? Un placard vide, ça ne sert à rien, un placard vide. Du coup, qu'est-ce qu'il y a en bas là? Ouais. On va aller voir qu'est-ce qu'il y avait à l'autre côté, parce que là, ça a l'air de monter, donc logiquement, c'est censé nous amener à... Pourquoi cette porte là? Alors que il y a une deuxième porte ici. Qui mène à un autre endroit. Avec plein de gens à tuer encore. Encore une autre. Une alfrôleuse encore. Boum! La parade. Vous avez payé. Ouh. Ah non merde, c'est Lydie qui l'a eu. Ça. Clé, voilà, elle avait encore des clés aussi. Bim, on prend tout. Mais c'est un vrai camp. Il y a un cœur qui vole. Non, il vole pas vraiment. 20 points de dégâts magiques. Combien? 16 de dégâts, c'est rien ça, 16 de dégâts. Hein. Le mien il fait, mais c'est ça, il fait 25. Oui, ça c'est ce que j'ai dans le dos, mais on s'en fout. La même gueule, donc c'est pareil. 25 de dégâts. Hein. Voilà, 16 c'est rien. Ouais, mais plus 20, prendre en compte le 20 points magiques. Un coffre de maître. Oh! Le coffre de maître le plus facile du monde à ouvrir. Une couronne en saphir, je prends. Éclair foudroyant. J'ai déjà ça, non? Je peux plus courir. Du poison, plein de choses qui me servent à rien. Une poupée d'enfant. Ça fait penser à Fable, ça. Bref. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on boit une potion pour le fun? Minerai de fer, peau d'ours. On peut rien lui donner à la petite. Ça, j'ai déjà appris. Tu dégages. J'ai pas envie de la lâcher, cette jolie épée là. Elle est tellement jolie. Ça, j'ai pas envie de le lâcher non plus. Ça, c'est le prix que ça coûte, j'ai pas envie. Le prix que ça se vend plutôt. J'ai pas envie de le lâcher. Hein, 2300 balles. Je donnerai même mon cheval, je le garderai pour quand j'aurai des meilleurs talents de... pour parler, pour discuter avec les gens. Ah, on va bouffer la viande de chien, on va perdre. Merde, je sais pas combien. 371. Qu'est-ce que les pommes de terre au four? Allez, on va manger une bonne cinquantaine. Voilà. Ça suffit pour baisser le poids qu'on porte. Fait, il n'y avait rien ici, c'était juste comme ça, quoi. Un tas de sel. Allez, bon.
On descend, on se casse de là. Il n'y avait rien ici. Enfin, c'est là d'où je viens. Donc, voilà, donc on va repartir. Bon, en fait, il n'y avait rien dans cette salle. C'est juste pour tuer quelques ennemis. Dommage que la fille n'ait pas survécu. Tant pis pour elle. Allez, on va passer aux étages supérieurs. On fait une petite sauvegarde rapide. Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça une sauvegarde rapide. C'est quoi ça? Destruction, augmentation, je vais avoir fou de la destruction. Qu'est-ce que là, toi, me regarder là? Bon, allez, on continue. Continue, on va tout défoncer. Lydie, tu me suis? T'as Lydie, hein, c'est cassé. Dis. Lydie, voilà, elle est là. Est-ce qu'il y a un truc, un crâne de troll? Je m'en fous. Une dague sur la table, je m'en fous. Et je veux. Voilà, là on peut ouvrir. C'est chiant parfois d'avoir les clés. Hein, parce que du coup, on peut pas utiliser ses compétences pour ouvrir les portes. Et c'est un peu chiant. Parce que du coup, on perd un peu des possibilités de compétences. Comment ça, on est dehors? Il y a encore un truc. Oh, c'est cool! Sauvegardez! L'air se réchauffe et se transforme en quoi? Comment ça, tu m'agresses? Boum! Tiens! C'est moi la vermine après! C'est elle qui m'a fait chier, hein. C'est pas moi, c'est elle! Alors, disperse au sol, crée un mur de feu qui inflige 50 points de dégâts. Ah, c'est pas mal ça. On va prendre. On va prendre. Même si on peut pas courir, on s'en fout. C'est quoi ça? Le rang du château, mais de machin chose. Schéma spirituel. C'est joli par ici. Oula, oui. Putain, ça fait mal. C'est joli. Ça, c'était pour le sacrifice. Oh, il y a un gros coffre. On va y aller doucement. N'a pas trop le choix maintenant. Il n'est pas piégé. Alors. Ouais, mais c'est de l'armure légère, ça m'intéresse pas. Ça, c'est vrai. Rune de feu. Ouais, allez, on prend. Ouais, on prend le parchemin, on prend le saphir, on prend tout en fait, et finalement, ben, on est bien emmerdé, parce que du coup, on peut rien porter d'autre. Qu'est-ce que j'ai comme un truc d'alchimie là? Est-ce que, à tout hasard, je peux appeler mon cheval ici. Est-ce qu'il pourrait me sauver la vie ou est-ce que je me souviens plus? Je crois qu'il est plein en plus. Est-ce que je peux appeler mon cheval? Je me pousse un petit peu des objets autour de moi. Je crois que ouais, je peux appeler mon cheval. Trop cool. Dis-moi, est-ce que tu as de la place encore dans ton toit là? Est-ce que si je te balance plein de trucs, merde. Non, tu peux plus rien porter. Saloperie de cheval. Qu'est-ce que t'as? Mais t'as plein de trucs toi aussi. Bon là 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 là. Un luth, une louche en boîte. Voilà, ça fera toujours ça d'économiser. Un morceau de lin, des os de dragon, ça tu me les gardes. Hein. Pierre de lune raffinée, pierre d'or. Je sais pas quoi ça sert, un morceau d'épée brisée. Je l'avais gardé en souvenir, mais on va tout lâcher ici parce que. On va lâcher ce qui nous sert à rien. Poignée d'épée brisée, on va lâcher.
Louche en bois, on va lâcher. Parce que là, normalement, je dois pouvoir te lâcher quelques trucs en plus. Il n'y a rien d'intéressant, si ça, c'est déjà ça. Autour Stroglodyte. C'est abusé, je peux plus. Ah bah moi j'ai un feu de camp à côté. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Tiens, je me demande qu'est-ce qu'il y a. Est-ce que... Mais c'est vrai que je peux mettre des trucs dans ton cheval, Litty, mais tu me sauves la vie, toi. Tiens, ton cheval, il va manger plein de trucs dans sa queue. Ça, je peux pas le donner. Tiens, il va manger ça. Promptomètre. Je vais la garder si on sait jamais. Je vais la garder parce que si jamais. Je vais donner plein de trucs d'alchimie là. Parce que ça, je parie que je vais perdre au moins 50 kilos. Voilà. J'ai pas perdu 50 kilos, mais c'était pas loin. C'était pas loin, c'était pas loin. Hop, je vais garder le livre là. Tout ce qui fait du poids en fait. Hein. Une raie du fer, ça tu le gardes. Celle qui contient des hommes, eh ben, je les veux pas. Voilà, on est un peu plus léger là. Ouf, on se sent mieux dans nos baskets. On a toujours trop de. On peut pas faire du feu, enfin on peut pas faire de la cuisine. Bon, mais ça va mieux, disons. On peut courir et tout, c'est cool. Alors j'avais le sort là. J'ai appris rune de feu alors que je fais pas de la magie. J'avais regardé ce qu'il y avait là-dedans. Hein. Ouais. Attends, ça se vend combien ça? Allez, 400 balles! Oh, c'est joli là. Le... Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est intrigant ça. C'est pas là qu'il faut aller pour le. Ah non. C'est méga intrigant du coup. On va essayer de tirer le levier après. Voir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes mouillé. Bah, ça, je suis au courant. Parce qu'il pleut, figure-toi. Je vois rien de spécial à l'horizon, là. Ça fait mal. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. On a sauvegardé? Oui, on a sauvegardé. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ça sent le dragon ou la connerie comme ça là, ou une espèce de boss ou... Il y a un renard, c'était ça la surprise. Ah non, il y a un tombeau là. Vous êtes à l'aise. Je croyais qu'il pleuvait. On va savoir. On va voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là. Non, ça c'est qu'une pierre. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Un lapin. Mais à part ça, il n'y a pas un truc un peu plus impressionnant qu'un lapin? Je sais pas, elle est bizarre ce. Ah, si. Ouh, mais il y a des trucs ici, là. C'est quoi ça? On va sauvegarder? Jamais. Qu'est-ce que c'est ça? J'attaque. Je m'en fous. C'est pas des. Si, c'est des trucs de. Des lucioles. Waouh, waouh, tu te calmes ton sexe, toi, là, hein? Ah non, merde, c'est vrai.
Non, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Ça. Oh putain, elle est costaud. Ah, elle est costaud celle-là, dis donc. Elle est pas mal, ça va être rigolo, dis donc, de faire ça. Oh, j'ai mon arc qui disparaît, trop cool. Voilà, il est là. C'est chiant, c'est les lucioles là, on peut pas les cibler dedans parce qu'elles sont trop. On la voit pas là, le truc là. Est-ce que si je fais rater. Pète-leur le gueule, vas-y, 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 défonce les faux-follets là. Ouais, c'est ça, c'est un moustique. Ouais, ça va, Lydia. Calme ton sexe, Lydia, toi aussi là-haut. Putain, ça lui a pas fait masse de dégâts. Hein. Putain, par contre, l'épée, ça fait mal. Hein. Ah, il y en a deux. Laquelle est la bonne? Ah, c'est bon. J'ai eu la bonne. C'est fini? C'est fini. Elle est parti où? Qu'est-ce que c'est ça? Le renard, il a peur, il fuit. C'est ça. Ouais, bah là, on prend tout. Là, c'est l'espèce de tour bizarroïde. C'était tout? C'était juste pour ça? Il y a bien un truc dans ces ruines-là. Une sorcière. Tu vas pas m'emmerder, toi, hein? Voilà. Ça sert à rien de s'exciter. Non, y'a rien. Y'a rien. Je sais pas, même pas des petites ruines, un petit donjon là? Petit donjon gratis, hein? Non, c'est quoi ça? Mais si, ça, c'est une porte, ça. Un coffre. Oh, Draven Metal Axe. Je trouve ferraille tordue. C'est trop génial. Potion de soin, de l'or. Ça, il y a un truc qui pèse 3000 tonnes. Wow. Oh, une masse de glace. Ça, c'est cool. Par contre, du coup, je peux plus courir. C'est quoi ça par terre? C'est rien. Et du coup, la masse de glace, ça fait pas plus de dégâts que mon épée. 29. Et mon épée, elle est à 23. Non. Non, ça c'est l'épée que j'ai dans le dos. Elle est à 23, ouais. Si je fais ça. Si, effectivement. Elle doit faire un peu plus de dégâts. Et en plus, il y a une main, donc déjà ça me va un peu mieux. Ça va faire le gros barbare à la masse. À la masse, c'est rigolo ça. Barbare à la masse. Alors, toujours est-il qu'on a le même problème de poids. On est en surpoids. Faire un peu de sport. On va plus le cheval, ça. Lydie, hein, ton cheval, il n'a pas intérêt à crever. Hein. Non, je vais ton cheval. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer un peu les trucs du mien. Ouais. Un truc qui vaut pas trop cher, hein, on sait jamais. Ça vaut rien. Ça vaut pas grand chose. Ça vaut pas grand chose. 500 balles, 1000 balles, 130 balles. Voilà, l'autre vaut 4000, donc quand même on va lui laisser. Alors, bâton de froid mordant, tu peux prendre ça, tu peux prendre ça, tu peux prendre ça, ça aussi, pas de soucis. Ça, je le garde encore. Ah, j'avais trouvé une tac de glace. Ça, tu peux prendre. Je te braconnier, je garde. Ça, tu peux prendre. Ça, tu peux prendre. Ça, tu peux prendre. Et du coup, bah, ça, tu peux prendre aussi.
parce que je vais mettre ça en favori. Du coup, on peut courir encore comme une gazelle. Et alors, comment ça s'appelle? Mass, glass mass. Non, c'était en 2. Parce qu'en 1, on a le celui-là. Voilà. C'est chiant, ça fait pas un twing quand ça sort. Bien. Ça fait peur déjà. L'épée qui sort du fourreau. Donc du coup, il n'y a rien, il n'y a pas de un petit truc sympathique. Vous êtes trempé jusqu'au zoo. Tu fais chier toi, hein. Là où là, il y a un truc là. Ça sent le Vince là. C'est pas possible. C'est quoi ça? Il y a rien, non? C'est même pas des petites ruines. Même pas une demi-ruine. Une ruinette. Même pas une petite ruinette. Non, ça c'est un morceau de bois. Non, que dalle. Que dalle, que dalle. C'était juste des... Ah si, c'est une ruine en soi, mais... C'est rien à explorer, quoi. Donc je m'en fous. On va aller voir de l'autre côté. C'est quoi ça? Noyau de... Oh, cool. Je prends. Pour jouer au foot. Bon allez, on se casse, hein, Lady. On a gagné une masse de glace. C'est cool. On a fait une bonne affaire, hein. En plus, ils étaient pas trop difficiles en affaire. On a plutôt bien négocié. On a eu un tarif avantageux. Ouais, mon personnage il goûte. On le voit, il y a des petites gouttes qui tombent de la cape de partout. Plus souvent dans ce monde-là. Fait chier ça. Hein. Bon allez, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Vous avez très froid. Bah ouais, je sais, mais bon. Est-ce que j'ai le choix en même temps? On va faire une toute petite sauvegarde. Bon, je vais le laisser tranquille celui-là là, de renard. Sinon je vais dépeupler là, tout le pays. Des méchants, des trolls en plus. Oh le troll, un grand troll et un petit troll. Oh la famille des trolls, ça va? Est-ce qu'il fait aussi mal que... Ah non, il fait pas aussi mal que le géant là. Ah mais c'était un géant, c'était pas un troll. Waouh waouh waouh, tu vas te calmer de suite là. Oh attends. Hop là, on va plutôt utiliser le gain de niveau. Ah merde, ça j'ai des malus de combat. On va monter en santé. Ça en gagne un. On est régénéré en santé. On est à combien? On est à 60 à une main. Et ouais, on peut le faire. Cool. Ouh! La grosse bille que je lui ai mis. Vous allez payer. Oh, mini troll, c'est rigolo, il fait même pas ma taille. Par contre, il est aussi résistant qu'un troll normal. Le squelette il a pris cher là. Il a volé dans tous les sens, il a pris cher le squelette. Y'a rien par là? Non, c'est juste pour le trip ça. On peut monter. On peut aller sur la montagne? Par là? Les chemins secrets. De... Et là je tombe totalement hors map. Alors, oui, donc on en était là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ici déjà? On m'a pas dit si c'était quelque chose. Non, on m'a pas dit. Mais y a rien en plus.
Vous êtes gelé, ouais, mais j'ai pas de quoi faire du feu, mon grand. Il est pas piégé. De l'or. Tout ça pour 12 or, quoi. Si c'est pas un peu là, hein. Si c'est pas un peu l'arnaque. On est gelé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on bah, on va vite repartir dans l'autre sens. Avant qu'on soit plus gelé, mais mort de froid. Froid, pardon. Parce que si vous vous souvenez, hein, je sais plus si c'est dans l'épisode précédent ou l'épisode d'avant, on était mort de froid et c'était un peu la merde. Hein. On a des méga malus de combat, tout ça. Et c'est assez agaçant. On peut pas vraiment jouer comme ça. Ah ben voilà, on est gelé, tiens. Mais là, on fait du sport en cours. On ne réchauffe pas. Là, il y a un feu de camp, là. On va se réchauffer auprès du feu de camp. On est toujours trempé. Est-ce qu'il pleut toujours? On va enlever la torche. Non, il pleut plus. J'ai des gouttes qui tombent de moi. C'est rigolo. Vous êtes mouillé. Bah ouais, mais bon, je sèche, hein. Ah, bah tiens, oui, ce que je fallait que je fasse, c'est qu'il fallait que. Voilà, que j'enlève la cape. Ah, bah tiens, il l'a fait automatiquement ici, mais automatiquement près du feu, c'est cool. Sauf que là, il est en train de se cramer les doigts normalement, hein. Ça fait. De suite, ça fait moins viril sans la cape, hein. Ça fait un peu moins viril sans la cape. Voilà, là ça va. Lydia, vas-y, décontracte-toi là. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des effets sur nous? On a froid. Augmente vos résistances au froid de 4%, ça c'est cool. Gna gna gna. Et si maintenant je remets. Entre le froid et la pluie. Mais la cape n'est plus mouillée du coup. Voilà. Ah, mais c'est moi qui suis toujours mouillé, donc où ça change pas grand-chose. Donc ce qu'on va faire, hein. C'est qu'on va aller dans le. Ça fait mieux quand même avec la cape, hein. Franchement, ça change tout. On va passer le temps qu'on traverse le bâtiment, en fait. On va sûrement se réchauffer. Dans l'idéal, ce serait le mieux. Bon, du coup, on a fini notre mission. Ouais. On n'a pas eu de récompense, quoi que ce soit, parce qu'on a tué tout le monde, mais. C'est Lydie, c'est pas moi, hein, qui l'a tué. Hein. Vous êtes témoin, c'est Lydie qui l'a tué, c'est pas moi. J'ai rien fait. J'ai rien fait du tout, c'est Lydie. Je sais pas pourquoi, elle s'est mise à la taper d'un coup là. Elle se sentait plus, la Lydie, elle se sentait plus. Elle a été prise de jalousie. Mais non, Lydie, tu seras toujours la seule pour moi. Sauf si. Merde, on s'est pas réchauffé. Mais on s'en fout parce qu'on était plus gelé. C'est pas trop le problème. J'espère qu'il va pas quand même repleuvoir. Ah, mais ça va toujours au même. Je suis mouillé, ouais, mais j'aimerais bien ne plus être mouillé maintenant. Hop, oui, descendre par là. On a du chemin par là. Je sais plus si c'était par là. Non. Non, c'était par là. C'était par là? Ouais, c'était par là. Il semble, hein. Je me souviens plus. Je sais plus.
Au sens, ça mène tout au même endroit, donc ça reviendra au même. Oui, ça va, ça va, c'est là. Tiens, c'est quoi cette porte? Oh, bah tiens, on a bien fait de venir, on a bien fait de repasser par là. Pommes vertes, on va pas les prendre, hein. On en a assez. Ah ouais, c'est quand on est arrivé ici. Ah ouais, on a même pas le temps de regarder là. Du coup, il y a un feu ici, il y a un bras zéro. On est à l'aise. Concrètement, à l'aise. Ça va. Est-ce qu'on est toujours mouillé? Merde, pas ça. Ça. On est toujours mouillé. C'est pas grave. On va se casser de là. Et on va essayer d'avancer un peu. Voilà. Il pleut? Est-ce qu'il pleut? Non, il pleut pas, j'espère bien. Il n'y a plus que ça qui pleut encore. Bon ben voilà, on a fait une petite escale. Dans ce charmant château, pittoresque, un peu détruit mais pittoresque. Qui c'est qui est là? Tiens le loup, prends ça dans ta gueule! Voilà. Il n'a rien compris le loup, il a rien compris du tout. Il sait même plus où il habite. Il était là le chemin, il était caché. Bon, il y avait toujours un truc sur cette île au milieu là. Avec pareil un grand château que je n'ai pas découvert. Ah bah il y a un pont, bah on pourra y aller. Et là il y a toujours une montagne. Et j'aimerais bien savoir c'est où. D'accord, donc en fait on a encore pas mal d'épisodes avant d'arriver au dragon. Bon, bah c'est sympa ce jeu. Un lapin! Non, je vais laisser tranquille ce petit lapin. On arrive à côté de Faïez. Il y a des trucs ici, on va aller voir ce qu'il y a sur cette île. J'ai un peu froid. Ah, je suis en train de me dire, merde, c'est un pont qui mène à une petite île où il n'y a rien. Mais non, il y a un deuxième pont. Et là, il y a une espèce de ferme, un village. Avec des portes. Comment ça, des portes? Comment ça, je ne peux pas l'ouvrir? Je m'en fous. C'est quoi ce domaine? On peut y aller à la nage? Non, apparemment, on peut pas y aller à la nage. Je savais pas ça. Je me souvenais plus. Non, 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 je savais pas. J'ai fait que Faïez par l'autre côté, moi. J'étais pas venu par là encore. Donc, vous voyez, il y a plein de choses que j'ai pas fait dans ce jeu. Malgré avoir joué quand même pas mal d'heures, il y a plein de choses que j'avais pas fait. Je suis trempé encore. Putain, mais c'est chiant ça, hein. Oula, il y a des gens là. Il y a des gens pas. Ont pas l'air très très gentils ceux-là. Putain, de suite, quand on a la masse dans la main, j'ai l'impression qu'on se déplace mais moins vite. Tiens, dans ta gueule, il a rien compris. Il a rien compris. C'était qui ce monsieur? Ah, c'était un vigile. Eh ben tant pis pour lui. Un peu d'or, des potions de soins, ça. Et une torche. Après le reste, tu peux le garder. Je n'en ai pas besoin. Le mec il pille. C'est quoi cette montagne là? Je suis curieux moi.
Mais non, mais qu'est-ce que tu fous? Mais on s'en fout, c'est une montagne de merde, on s'en fout, c'est. Qu'est-ce qu'il y a? On m'attaque. Tiens! Dans ta gueule, le loup. Voilà. C'est quoi que j'ai augmenté? Une main. Mais on s'en fout de ces. De ces trucs de merde là, de ces. Merde, je sais même plus comment on appelle ça. Oh! Regardez une grotte. Je me demande ce qu'il y a à Oh! l'intérieur. Mais il doit y avoir des trucs! Ça, un daim. Peu de biche. Et quoi là-haut surtout là? C'est quoi ça là-haut là? C'est par là le dragon? Est-ce qu'on. Est-ce... Oh, ça doit être peut-être par là le dragon. On va voir qu'est-ce qu'il y a dans cette grotte en premier là. Rien à foutre, on va voir la grotte en premier. C'est moi qui ai choisi. C'est toi qui vas mourir, glandu. Oula, qu'est-ce qui se passe ici? Dis rien qui va. Venez donc. Yo! Il est contre moi, ce mage. Il est contre moi, ce mage. Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu te casses là? Non, 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 tu reviens là. Tu reviens là. Comment j'ai pu le décapiter avec une masse? Ça fait mal, hein. Ouais, ça fait mal, hein. Putain, le mec il s'est barré. Je suis arrivé en courant, j'ai foutu un espèce de coup sur la gueule. Impact critique. J'espère bien là. Qui se cache là? Quelqu'un qui se cache? Qui c'est qui veut pas mourir? Il est là, le petit loulou qui se cache. Viens par ici. Viens par ici, le. C'est quoi ces loups qui fuient là? Puis quand les gens ils fuient comme ça? Oh là là. Comment on l'a défoncé? Une peau de loup. C'est bien, les dire. Je t'ai bien éduqué, c'est bien. Des poivrons grillés, c'est cool. Qu'est-ce que j'avais dit là-dedans? Non, prends pas de bouffe. Non, mais ça sert à rien la bouffe. Vous êtes trempé, mais on a un joli petit camp là. Un joli petit camp avec de tout le nécessaire hein, pour bouffer, pour des oreilles électriques, des trucs d'alchimie qui ne me servent à rien. Manger les choux, parce que les choux c'est bien. Les pommes de terre. Encore un chou, une pomme de terre géante, hein, parce que si vous trouvez une pomme de terre comme ça dans la vie. Il faut me l'envoyer, des poireaux, j'aime pas les poireaux. Les carottes. Et du coup, on va faire un peu de cuisine. Bah oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire en cuisine? Qu'est-ce que j'ai vu là? Chili con Vex. Hop, des gigots grillés. C'est bien ça. Bon, je le fais pas avec le tas de sel parce que j'en ai rien à foutre. Aucun respect. Allez, hop, là je le fais avec un parce que je me fous aussi. Voilà, on se fait un petit peu ça, on se fait notre popote. Ça y est, c'est bon, on a tout. Comment ça, je transporte trop de choses pour pouvoir courir? The fuck? Comment ça? Ah, mais c'est ça, hein. Putain, ça pèse plus lourd une fois que c'est fait. Là, c'est bon, je peux courir là. Vous êtes totalement sec alors que j'ai passé 2 minutes à côté du feu. Ah, il y a quelqu'un là-haut. C'est qui ça? Pourquoi il a un nom spécial? Ça doit nous apprendre à faire des choses. Ça doit nous apprendre à faire des choses, ce bouquin là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Gna 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 gna, ouais. Allez, hop, on va chercher plus loin. On va dire que j'ai tout lu. Ah, ouais, voilà. Ouh, filon de pierre de lune. Miam miam. Du coup, si on est tout sec, on s'en fout, non? On va pouvoir continuer. Wow. Comment ça il continue?
Ah, je suis en train de me dire, qu'est-ce que tu fais là? Oh, qu'est-ce que tu fais là? On t'a dit qu'il était fini le filon là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est ce voyou. C'est quoi ça? Je me noie. Oh, c'est bizarre ça. Première fois que je vois cet effet là. Tiens, vous êtes prêts? Non, c'est rigolo. C'est rigolo, j'avais jamais remarqué ça. Là, il a l'air d'y avoir un truc là. Ça a l'air d'être un truc important, ça. Ah, mais c'est un hôtel. De l'or. Oui, de l'or, bien entendu, c'est bien ça, de l'or. Non, pas l'assiette. Une potion médicinale, du vin, je m'en fous. Alors, Lydie, j'ai un truc à te donner. Je l'ai reçu dans ma famille. Tiens, c'est une assiette. Garde-le. Ça, je depuis des générations dans ma famille. Mais je la lâche comme ça en plein milieu de la terre parce que j'en ai rien à foutre. Le mec il se balade depuis je sais pas combien de temps avec une épée qui lui sert à rien. T'es pas un peu fou dans ta tête? Alors, est-ce qu'on peut boire des choses? Non. On a combien de trop? Bah, on a pas grand-chose de trop. On va manger des trucs qui servent à rien. Voilà. Voilà. Si, c'est bon. Voilà. C'est quoi cet effet? Parce que le... Merde, pas le vin, je m'en fous du vin. Oh, j'ai de la bière. J'ai presque reposé mon main. C'est quoi la bénédiction de qui n'arrête les enfants? C'est quoi qui c'est qui m'arrête là? Augmente notre vigueur. Ah putain, mais ça c'est bien ça. Ça c'est pratique ça. Ça c'est de la bonne bénédiction. Pas comme augmente les cris de 0% pendant. Pendant longtemps. C'est bien augmenter les cris de 0%. Bah du coup. Bah tiens, c'est bien là. C'est quoi ce bâton là? J'ai même pas regardé le bâton et. Ah bah voilà, c'est quand même un bâton. C'est pas un bâton de caca ça. On peut pas courir, oui, ça je me doute. C'est quoi ton bâton? C'est de la merde. Allez, tu dégages, c'est à moi ça maintenant. Voilà. Ah bah on est bien là. On est bien, on est bien. On peut toujours pas courir. Lydie. J'ai quelque chose à te dire. Peux-tu garder un secret? Un secret qui s'appelle un bâton comme ça. Merci, t'es gentil. Non, à chaque fois je veux aller là pour sortir, mais non, c'est là-bas. Vers la lumière, je vais vers la lumière. Hop. Est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Ou c'est le dragon? Est-ce qu'on va se faire ce combat épique avec le dragon? Il va sûrement peut-être me défoncer la gueule au début. Parce que... Mais c'est un lapin mort? Pourquoi il y a le lapin qui est mort là? Ah, oh, je parlais que c'est juste du lapin. Pourquoi le lapin il est mort? C'est pas moi qui l'ai tué pour une fois. Oh, fais chier, transporter trop de choses là. Tu pourrais pas oublier un peu ce problème là. Et courir comme une gazelle. Alors, bah du coup, on va encore appeler. On va appeler ton cheval, Lydia. Hein. Il me sauve la vie, ton cheval. Hein. Oh, oh, qu'est-ce qui arrive là? Qu'est-ce qui arrive là? Non, 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 il y en a un petit problème là. Deux problèmes même maintenant. On a deux problèmes maintenant là, oui, deux problèmes. Ramène ton cheval, ton cheval en vitesse là. Non, je vais pas le voler ton cheval. Je veux juste lui mettre des trucs plein la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on peut virer? Tiens, ça. J'en ai plus besoin. Ça, tu peux le garder.
Allez, bon, je te le donne ça parce que bon. Apparemment, ça a l'air de plutôt bien marcher. Ça, on va le virer. Voilà, j'aimerais bien perdre quelques kilos encore. J'ai 23 cuisses de lapin, mais ça va. J'ai de quoi manger. On va te donner tout ce qui... Pourquoi j'ai des crânes de troll? J'ai 18 000 balles, c'est tout. Il me semblait que j'avais fait beaucoup de voyages, tout ça, mais en fait non. On va se garder deux torches. Et là, on est pas mal. Est-ce que... Mais j'ai toujours les torches là. Pourquoi tu m'as enlevé ton raccourci torche là? Torche. Torche, c'est 4. Voilà. 3, c'est le bouclier. Allez, comme il fait jour en plus, on y voit bien, on a une bonne visibilité. Par contre, je vais juste faire un petit souffle ardent. Ouais, j'ai chopé tous les deux. Ouh, ils sont tout pris dans la gueule. Ils sont pas compris non plus. Bah tant qu'il... Merde. Il est passé où ton cheval? Ils sont partis où les chevaux? Eh mais il pleut tout le temps ici, hein. C'est horrible, hein. On se croirait en Bretagne. Quoi? Non, 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 j'ai rien dit. Bah non. Bah j'ai rien dit. Mais je vais... Combien je porte là? Ça va, j'ai encore un peu de marge. On va re-sauvegarder. On va se méfier parce que je pense que c'est là que le dragon va arriver. Ouais, on n'est pas très loin. C'est pas encore tout de suite, hein. On attend de faire plein de choses avant. Et je vois que ça fait déjà 1 heure que j'ai commencé à tourner. Et aujourd'hui, pour l'épisode 50, on va faire un épisode un poil plus long. Manière de faire chier tout le monde. Un peu plus longtemps que d'habitude. Ah, ah, ça sent l'embuscade. Qu'est-ce que c'est là? Pourquoi ça brûlait, hein? Un dragon de feu. Pourquoi il y a un escalier là au milieu de nulle part? Pourquoi ça sert? Quel est l'intérêt? Ah, parce que le dragon est là-haut. C'est ça, hein? Je regarde sur ma map. Oui, le dragon est là-haut. Eh bien, on va lui péter sa gueule, hein? On va faire un petit peu d'heures supplémentaires. On va lui péter sa gueule à ce connard de dragon. Parce que ça fait longtemps qu'on a envie de le tuer. Et ça fait que maintenant qu'il y a... Oh, filon de fer. On sait jamais, ça peut servir. Oui, Lydia, qu'est-ce que tu voulais dire? S'il fait jour, c'est bien. Ça sera plus simple. D'ailleurs, c'est quelle heure dans le jeu? C'est 7 h du matin. Allez, un petit dragon, petit matin là. Sauvegarde parce que je sais qu'il est là. C'est quoi ça? Wouah! Heureusement que j'ai sauvegardé. Mais ça fait mal! Mais ça fait mal ça. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cette impulsion, c'est ça, pour aller plus vite. Dans ton cul! Nya! Par contre, Lydie, elle va manger cher. Non, ça va. Il est là. Je vais prendre souffle ardent. Allez, c'est parti pour le combat épique de la mort. Je vais mettre. Ouah, ouah, ça fait mal là. Oh, eh, ça fait froid là. Hein. Va te calmer, toi. Hein. Tiens, prends dans ta gueule, toi. Impact critique sur dragon. Non, viens, 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 viens qu'on aille se battre là-haut, là. C'est joli là. C'est tellement plus épique là. Merde, tu vas pas pouvoir te poser là. Non, t'as pas le droit là. C'est interdit là. T'as pas le droit. Ne touche pas ici. Tu redescends tout de suite là. Viens là que je te viens de poter le cul.
Viens là que je te botte le cul. Non, tu triches. Tu triches, t'as pas le droit. Moi, je souffle pas de loin comme ça. Pour la peine, je vais prendre une potion. Petite potion de soin léger. Petite potion de soin léger. Allez, viens par là. Il y a un tas de place là. Pose-toi là. Non, pas là-haut. J'ai touché, je l'ai touché, je l'ai même pas touché. Je lui ai envoyé un souffle. Ne m'oblige pas à sortir mon arc. Pose-toi. Wow, mais... Oh, ce bug, ça m'a même pas fait mal en plus. Il s'est explosé la gueule et ça m'a même pas fait mal. Putain, elle a fait une méga traînée. T'es un malade dans ta tête, toi. Hein. Tiens, je te pète ta gueule, t'es mort. Oh, oh, l'exécution épique. On peut pas bouger la caméra, c'est dommage. Ouais, un petit peu... Un petit peu moyenne, hein. L'exécution, là, j'ai donné des coups. Non, il va tomber, il va tomber. Toucher la prime. Ah, en plus, il y avait une prime. En plus, on gagne de l'argent, dis donc. Maintenant, je peux plus courir, tu m'étonnes. Et voilà, un dragon de plus qui brûle. Sous les coups de mon épée. C'est trop cool, il dit. On va toucher des sous. En plus, on est payé pour tuer des dragons, mais c'est pas épique, ça. Et surtout, qu'est-ce qu'on va apprendre? J'aime bien apprendre. Par contre, je marche dans la terre, là. Avant, on va appeler ton cheval. Ah, je suis chiant à appeler mes chevaux à chaque fois. Mais comme le dit très bien le jeu, je transporte trop de choses pour pouvoir courir. Et dans le simple but d'éviter que la vidéo soit trop chiante à me voir marcher pendant des heures. C'est pour ça que je préfère un petit peu m'alléger, mais ce qui est normal, hein. Non, 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 non. C'est le contraire que je veux. C'est que je veux mettre dedans. Je veux mettre dedans le cheval. Ça pèse une tonne. Putain, moi, à une époque, quand il n'y avait pas les maisons, quand je n'avais pas de maison, je me gardais les pierres de dragon sur moi. Du coup, je pouvais pas transporter grand-chose. Allez, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va apprendre aujourd'hui? On va apprendre à faire la ratatouille. C'est ça? Non, c'est quoi? Peur, intimidation. Tu me vois, Lily? Ça a l'air d'être totalement nul, ça. On va regarder qu'est-ce que ça donne. Stupeur. Ah bon? Je m'en fous, j'utilise pas de magie. Intimidation. Peur. D'accord. C'est nul, en fait. Allégeance animale, ça peut être sympa. J'ai pas besoin. Peur, intimidation, peur, le feu, mon nom, sanction. Non, 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 ça m'intéresse pas, non. Pas des trucs genre le deuxième niveau du feu là. Parce que ça m'intéresserait un peu plus à l'avenant. Souffle ardent niveau 2. Ça serait bien. Breuvage de force, bâton de capture d'âme. Oh cool. Collier d'argent. Inflige un. Et des sous. Attends que ton chevalier est là, je vais lui balancer tout ça. Hop. Non merde, c'est dans les armes. Parce que c'est un bâton de capture d'âme. Et c'est ça que j'ai récupéré. Voilà. Donc voilà, bah c'est sur ça qu'on va se quitter ici, hein, sur cette explosion de dragon. Explosion atomique de dragon, il n'y a rien par ici caché, on sait jamais. C'est des petits farceurs, ces développeurs. Ils mettent toujours des petits trucs cachés.
Bon, ben voilà. Non, 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 c'est bon, c'est fini. Enfin, on a réussi au bout de je sais pas combien d'épisodes à buter le dragon. Non pas que ça a été long pour le trouver ou quoi que ce soit, mais c'est qu'on a tellement tardé sur la route. Et on va se quitter sur ce belle vue du ça. Avec notre héros. Qui regarde, tiens, c'est quoi ça là-haut? Ah, miam miam, un donjon. Miam miam, un autre donjon. Ah, là, c'est un truc de dragon aussi. Mais chut, il faut pas le dire ça. Je le sais, mais il faut pas le dire. Bref. Donc, c'est sur ces belles images qu'on va s'arrêter. Et qu'on va se dire à la prochaine pour un nouvel épisode de Skyrim, un mercredi prochain, du coup, pour un nouvel épisode de Skyrim. Alors, j'espère que celui-là vous aura plu. Il était un poil plus long, hein, pas beaucoup plus long, un tout petit peu plus long, parce que c'était l'épisode 50. Hein. Finalement, il s'est rien passé de spécial à bord, hein, à part qu'on a explosé ce dragon. Tiens, Lydie a disparu. Ah non, elle est là. Voilà, on a explosé ce dragon. Donc voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis merci à vous, à la prochaine et n'oubliez pas de mettre un pouce vert si ça vous a plu, un petit commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé. Et n'oubliez pas aussi les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Google+, nous ajouter. Voilà, merci à vous, à la prochaine, ciao!